Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des logos et des bannières pour votre chaîne sur YouTube parce que j'en connais beaucoup qui cherchent ça. C'est vrai que c'est pas évident à trouver. Et là vous allez sur ce site là, vous cliquez dessus, hop, je mettrai le lien de toute façon. Voilà, et ça va vous permettre de faire des bannières en bas, tout là aussi. Je vais vous montrer de suite comment ça marche et des logos de votre chaîne aussi pour vos pages, pour vos chaînes. Pour votre chaîne, je veux dire, voilà, je vais y arriver. Voilà, et en fin de compte, vous voyez, il y a les logos pour Call of, choses comme ça. Vous pouvez créer des pas mal de choses, tout des petits logos par exemple. Call of, pour ceux qui sont fans de Call of, hop, on va y aller dessus. On va cliquer par exemple, le temps que ça se charge, vous allez voir, et vous mettez votre logo au milieu. Alors, c'est pas évident la prise en main au début, il va falloir s'y faire au début. Ça ressemble à un logiciel un peu comme comment dire, c'est comme Sony Vegas pour ceux qui connaissent. GameStadia, mais surtout Sony Vegas. Vous voyez que ça y ressemble un peu là, le même système, mais là c'est un peu moins compliqué. Vous avez tous les systèmes sur le côté pour gérer l'animation, voilà, le son, si vous voulez de la musique, si vous voulez changer la musique, tout, si vous voulez mettre un autre logo que ça, c'est un peu normal. C'est un exemple. Voilà, je vais vous montrer un exemple de suite. Par exemple, j'ai fait un logo vite fait, mais parce que je sais pas trop m'en servir encore. Voilà, je vous montre un petit exemple que j'ai fait, mais alors vite fait, parce que il n'y a pas longtemps que je connais le site. Alors j'ai fait vite fait ça. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre de la musique, n'importe laquelle que vous avez, des choses comme ça. Il vous en propose aussi, c'est pas mal. On va revenir en arrière. Là, c'était pour faire l'intro, voilà. Et par contre, pour faire le logo, c'est ici. Vous voyez, c'est fait pour la page YouTube, et là vous pouvez mettre pas mal de choses, tout. On vous en propose aussi, on peut mettre la vôtre aussi, je crois. Vous pouvez télécharger une photo, machin, que vous pouvez mettre. Voilà, voilà, vous pouvez télécharger, mettre la vôtre aussi, que vous voulez mettre. Vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà, après il va falloir s'y mettre, tout, c'est toujours le problème. C'est enfin le problème, il va falloir s'y mettre quand même si vous voulez faire un super logo, tout ça. Alors, moi je viens juste d'être sur le site. Alors je connais pas encore assez bien, mais c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'il est vraiment pas mal, je trouve, le site. Enfin, ce site là il explique de A à Z, c'est comme une version bêta du système, tout, et je trouve qu'il est vraiment pas mal parce que ça explique pas mal de choses, et puis c'est moins compliqué qu'avoir un programme entier, vous voyez, tout. C'est assez facile, même pour les petits novices, ils y arriveront très très vite. Voilà, ça peut vous aider, surtout si vous voulez avoir une chaîne YouTube qui soit au top, du top, comme on dit. Ça peut aider. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous mettrai le lien de toute façon. Allez, je vous dis à plus. Ciao!